Bonsoir. Si l'on m'a posé ce soir la question « et si l'on s'intéressait enfin à Al-Qaïda », c'est en raison de la présence à Paris d'un invité exceptionnel, Mahmoud Mohamedou. Bonjour, vous êtes politologue, vous êtes mauritanien, vous arrivez d'ailleurs de Mauritanie, vous y étiez encore hier à Nouakchott. Vous avez été pendant 4 ans, de 2004 à 2008, professeur dans la prestigieuse université de Harvard. Vous étiez directeur adjoint du programme de recherche sur la politique humanitaire et sur les conflits. Hein. Vous êtes l'auteur de livres en particulier, Contre-croisade, sur les origines et les conséquences des attentats du 11 septembre, et puis Understanding Al-Qaïda, Comprendre Al-Qaïda, qui vient de paraître aux États-Unis et en Angleterre, qui n'est pas encore paru en France. Alors on consacrera toute l'émission après le soir 3 à Al-Qaïda, mais aujourd'hui, un des grands quotidiens français a eu ce titre de une, Comment l'Amérique investit nos banlieues depuis les attentats du 11 septembre, et plus particulièrement depuis les émeutes de 2005 en banlieue, l'Amérique aurait lancé dans nos banlieues un programme. Alors il y aurait de l'argent, du sponsoring, des subventions, des voyages d'études aux États-Unis payés aux présidents des associations qu'on invite à dîner, qu'on reçoit dans des colloques. Est-ce que vous étiez au courant et pourquoi l'Amérique fait-elle ça? Bonsoir. Écoutez, je pense qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinairement surprenant dans cette information. D'une part, les États-Unis ont depuis très longtemps une politique, on dira, d'intervention culturelle à travers le monde, qui s'exprime à travers leur diplomatie, leur chancellerie. Le déclic a peut-être été, je pense, une couverture médiatique très forte aux États-Unis l'année dernière avec les émeutes sociales qui ont été présentées sous cette image de djihad dans les banlieues. Il disait émeutes musulmanes. Oui, émeutes musulmanes. Le djihad des banlieues, ça a été très couvert de cette manière. Je me souviens d'un article du New York Times en particulier qui avait eu beaucoup d'écho sur cet aspect. Donc peut-être que ça a été un déclic à ce niveau-là. Mais de manière générale, comme je disais, les États-Unis ont toujours cherché à séduire des populations à travers le monde. Ils ont cette politique qui est très proactive par rapport à des populations qu'ils cherchent peut-être à éloigner de certaines formes de radicalisme. Quelque part, ce n'est pas très, très important, très grave, hein, si ça pouvait servir effectivement à dédramatiser cette question, c'est peut-être quelque chose de positif. Ce qui est peut-être négatif, c'est d'associer, de stigmatiser un pan de la population française avec une certaine forme de radicalisme. Et là, à partir de là, je pense que quelques dérives sont possibles. Je pense que pour les plus opportunistes des jeunes des banlieues, ce sera un voyage tout frais payé aux États-Unis. Mais au-delà, on va voir ce que ça donne sur le long terme. Est-ce qu'ils entendent exercer une influence quand ils emmènent ces jeunes aux États-Unis? C'est pour leur dire l'Amérique n'est pas ce que vous croyez. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils s'interrogent, qu'ils veulent comprendre, oui, par exemple, puisqu'on dit que ça date de 2001, le pourquoi des attentats, comment une partie de la population a pu se radicaliser contre les États-Unis, un peu comme la CIA, oui, autrefois, oui, intervenait et voulait comprendre pourquoi on pouvait basculer dans le communisme. Oui. C'est cela. Je pense qu'il y a d'abord la présence d'une population musulmane dans un pays occidental. Donc, quelque part, ça fait écho à la situation des États-Unis. Il faut dire que la population musulmane aux États-Unis est une population qui en général réussit très bien. Un sondage d'un an et demi, deux ans démontrait que le niveau de réussite sociale de la famille musulmane aux États-Unis était en moyenne plus élevé que la famille américaine moyenne. C'est quelque chose qui est nouveau pour ces gens qu'on va amener des banlieues qui vivent dans une misère moyenne et relative, mais pour eux ça permet de voir que l'Amérique n'est pas forcément ce démon dont ils entendent parler. Bien entendu, la question politique demeure ce qu'elle est, et les choix politiques des États-Unis sont ce qu'ils sont, mais par rapport à ces jeunes, c'est peut-être une occasion aussi de voir un côté des États-Unis qui est beaucoup plus séduisant et qui est aussi différent de ce côté commercial qu'ils voient, c'est-à-dire des institutions, une démocratie qui continue à fonctionner même si l'on tient compte des dérives récentes. Et quelque part, ce n'est pas quelque chose de foncièrement mauvais. Je pense qu'un certain nombre de programmes axés sur les journalistes, par exemple des pays du tiers-monde, qui datent d'une vingtaine d'années, a eu des effets assez positifs en ce qui concerne la présentation d'une image américaine qui remonte à l'époque de John Kennedy, par exemple. Ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau. Le déclic, c'est aussi la présence d'un certain nombre de jeunes français, comme Zacharias Moussaoui, par exemple, ou le jeune homme qui était dans l'opération contre San Francisco. Quelque chose auquel les États-Unis sentent le besoin de réagir. Ce ne serait pas qu'en France, ce serait également en Angleterre, on pourrait, oui, imaginer qu'ils interviendraient de la même façon. Le Londonistan, c'est quelque chose qui est très couvert aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas entièrement nouveau. Ça s'étale, je pense que l'article
du Parisien le notait, ça s'étale depuis 2001 sur une politique coordonnée aussi entre les gouvernements européens. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a rien de vraiment extraordinaire dans cette révélation. C'est intéressant de voir qu'il y a une accélération récemment, à voir s'il peut y avoir des effets positifs. On peut fantasmer, on peut se dire que ce n'est pas seulement de la propagande, c'est aussi du recrutement. Oui, une fois que le mot CIA a été lâché, il y a toujours ces fantasmes qui viennent à l'esprit et puis ça peut évoluer dans un sens, dans un autre. Je pense qu'honnêtement, pour l'instant, c'est simplement une politique de public relations et à partir de là, ça vaut ce que ça vaut. Des fantasmes, bon, il en sera encore question après le soir 3, présenté par Marie Drucker. Alors Marie, qu'y a-t-il au soir 3? Alors nous allons parler des larmes toute la soirée de Laure Manaudou, qui s'est qualifiée, mais vraiment de justesse, pour les JO de Pékin. Elle a fini 3e sur, pourtant, sa distance de prédilection, le 400 mètres nage libre. On va aussi parler de la crise au Paris Saint-Germain et des tentatives d'apaisement de Paris envers Pékin. Notre dossier ce soir est consacré à Pékin, qui accueillera les Jeux Olympiques en août prochain et qui plonge dans la modernité à coups de bulldozer. Quant à nous, on va essayer de lever un voile sur cette organisation terroriste Al-Qaïda dont on parle très souvent, mais au fond on n'en dit pas grand chose. On va essayer d'en dire énormément ce soir grâce à la présence de Mahmoud Mohamedou, mais aussi à celle de Gilles Kepel, de Dominique Thomas et d'Alexandre Delval. Ce sera juste après le soir 3, présenté par Marie Drucker. Bonsoir, et si on s'intéressait enfin à Al-Qaïda, si on creusait vraiment, si on se posait la question du c'est qui, c'est quoi, pourquoi, comment, quelle est la stratégie d'Al-Qaïda, de quelle sorte de guerre mène cette organisation terroriste depuis plus de 10 ans. Pour en débattre ce soir, je vous présente Mahmoud Mohamedou, politologue mauritanien, docteur en sciences politiques de l'Université de New York. De 2004 à 2008, vous avez enseigné à Harvard, vous étiez directeur adjoint du programme de politique humanitaire et de recherche sur les conflits de la prestigieuse université de Harvard, ce qui n'a pas empêché de nombreux éditeurs français de refuser de publier ou de vouloir censurer votre livre intitulé « Contre-croisade, origines et conséquences du 11 septembre » qui raconte minute par minute les attentats du 11 septembre 2001, mais parle aussi des origines, du pourquoi de ces attentats et de la guerre que mène Al-Qaïda depuis maintenant plus de 10 ans. C'est finalement chez l'Harmattan que c'est paru. Quelles étaient les objections que vous donnaient les éditeurs au moment où ils refusaient ce livre? Bonsoir et merci pour votre aimable invitation. Écoutez, je pense qu'au départ, il y avait surtout une perspective qui était différente par rapport au narratif qui était en train de se mettre en place juste après les attentats. Les arguments avancés étaient que certains étaient simplement en contradiction avec le contenu du texte. On a pensé peut-être que j'avançais des thèses conspirationnistes, ce qui était exactement le contraire de ce qui était écrit dans le texte. Je prenais ces éléments simplement comme, je crois, l'expression d'une résistance à l'investigation de l'autre côté, d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi et comment on a pu en arriver à une telle gravité, une telle aggravation surtout de la situation. Mais bon, je pense que c'est quelque chose d'assez assez traditionnel dans les milieux littéraires. Tout de même, vous avez l'air de dire qu'il y avait un tabou. Oui, enfin, écoutez, Vous ne voulez pas s'intéresser à Al-Qaïda véritablement? Je ne pense pas que je sois le premier qui... Non, pas forcément à la thématique, c'est surtout à l'approche. C'est-à-dire qu'il y avait une perspective dominante qui était qu'il fallait diaboliser l'organisation dès le départ. Il y avait aussi un leg de 10 ans d'études sur les mouvances islamistes et qu'un narratif s'était mis en place concernant ces fous de Dieu qu'il fallait simplement reproduire dans le moule du 11 septembre. J'ai essayé d'expliquer un petit peu, bien entendu ce n'est pas justifié, et besoin de le dire encore une fois, essayer d'expliquer qu'il y avait une novation martiale, politique, thématique de manière générale concernant Al-Qaïda qui s'étalait sur une 20aine d'années et dont le 11 septembre n'était que l'aboutissement.
Et là, je pense qu'il y avait un déphasage par rapport aux livres qui étaient disponibles sur le marché à l'époque. Bon, c'était personnellement quelque chose que j'ai accepté de bonne guerre, mais je pense que les faits ont démontré que l'innovation d'Al-Qaïda est quelque chose avec lequel il faut désormais traiter. Alors depuis, vous avez publié aux États-Unis et en Angleterre « Understanding Al-Qaïda », qu'on peut traduire par « Comprendre Al-Qaïda ». Alors là encore, vous risquez d'avoir des problèmes si vous avez l'intention de le publier en France, parce qu'il y a un politiquement correct français qui veut qu'on ne veut pas comprendre l'adversaire, on ne veut pas l'expliquer, parce que comprendre, expliquer, c'est déjà justifié. Alors on ne pourrait pas imaginer d'ailleurs un livre qui s'intitulerait « Comprendre le nazisme » ou « Expliquer le nazisme », ça n'est pas possible en français. Est-ce que vous seriez prêt à changer le titre? S'il le fallait, mais il n'y a pas de projet pour l'instant de le traduire en français. L'idée, c'était, et c'est peut-être plus facile en anglais en réalité, c'était sur la lancée donc, de cette étude de l'opération du 11 septembre, essayer d'évoluer vers une compréhension de l'organisation mère qui a lancé cette opération, et d'avoir une approche scientifique, clinique, dédramatisée, dépassionnée, pour essayer de comprendre quelles sont les mécaniques d'Al-Qaïda telles qu'ils ont historiquement abouti à l'opération, mais aussi comment ils sont en métamorphose perpétuelle depuis maintenant 7-8 ans, une période qui dépasse déjà la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir de là, essayer de placer ça dans un contexte de transformation de la guerre, c'est le sous-titre, The Transformation of War, qui s'étend sur plusieurs décennies et qui dépasse Al-Qaïda en soi. On l'a vu dans la manière dont Hezbollah a mené sa guerre contre Israël il y a un an et demi, deux ans. Et puis, essayer par rapport à cette perspective de voir comment Al-Qaïda s'inscrit sur la longue durée. Alors, je vous présente vos interlocuteurs. Dominique Thomas, vous êtes islamologue, chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez beaucoup travaillé sur le salafisme, le mouvement sunnite qui revendique un retour à l'islam des origines, mouvement dont se réclame d'ailleurs l'Arabie saoudite. Vous êtes l'auteur, entre autres, des Hommes d'Al-Qaïda en 2005, de Londonistan, le djihad au cœur de l'Europe, et l'année dernière, de Crise politique en Palestine, 1997-2007. Alexandre Delval, vous êtes géopolitologue. Vous avez beaucoup travaillé sur les rivalités de pouvoir et sur leur représentation. Je citerai parmi vos livres « Guerre contre l'Europe », Bosnie, Kosovo, Tchétchénie, « Le totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties » et « La Turquie dans l'Europe, un cheval de Troie islamiste ». Gilles Kepel, politologue, vous enseignez à Sciences Po, vous dirigez le programme de troisième cycle sur les mondes arabo-musulmans. Vous avez également enseigné à l'université de New York en 1994 et à l'université Columbia en 1995-1996. Vous êtes l'auteur de Fitna, guerre au cœur de l'islam, de Djihad, expansion et déclin de l'islamisme, mais aussi du prophète et du pharaon aux sources des mouvements islamistes. C'était en 1984, hein, réactualisé en 1993, si je me souviens bien. Votre dernier livre, c'est « Terreur et martyr, relever le défi de civilisation ». Je vous propose, pour commencer cette émission, d'en finir tout de suite avec les thèses conspirationnistes. Hein. Dès qu'on parle Al-Qaïda, on voit immédiatement des gens nous expliquer très doctement, et pas seulement sur Internet d'ailleurs, que Al-Qaïda n'existe pas, que tout ça a été fomenté par les États-Unis, que Ben Laden est un agent de la CIA, que les juifs américains new-yorkais ne sont pas allés travailler au World Trade Center le jour des attentats. Vous réfutez ça d'en bloc, Mahmoud Mahmoudi? Oui, absolument. Écoutez, je pense que ça, c'est l'un des problèmes essentiels qui se pose immédiatement, comme vous disiez, dès qu'on aborde cette thématique. Alors, il faut simplement le dire clairement, les attaques du 11 septembre sur New York et Washington ont été menées par Al-Qaïda, par la cellule de Hambourg, qui était donc dirigée par Mohamed Atta et Marwan Shehi. C'est une opération qui a été préparée au moins à partir de 1996. C'est sur la base de documents rendu public dans l'étude de la commission des États-Unis sur cette question qu'on peut avancer cela. C'est aussi sur la base de la revendication d'Al-Qaïda elle-même. Bon, il y a une période de doute entre septembre et avril, donc à septembre 2001 et avril 2002, dans laquelle Al-Qaïda s'exprimait de manière ambiguë sur sa responsabilité. Mais en avril 2002, une cassette a été diffusée sur le Jazeera dans laquelle l'un des participants du commando présentait son testament. Donc c'était clairement quelque chose qui avait été enregistré plusieurs mois à l'avance, en préparation. Depuis lors, on a vu régulièrement, à chaque anniversaire, Al-Qaïda présenter ce genre de cassette. Elle s'en revendique. C'est clairement une opération qui a été menée par l'organisation. Et toute autre analyse conspirationniste, je pense, provient du fait qu'il y a des zones
d'ambiguïté autour de la réaction américaine. Donc ça, c'est compréhensible. On l'a vu, ça a été un petit peu traité par un certain nombre de chercheurs. Sans faire de procès aux intentions de ces chercheurs, la réalité demeure que c'est une action qui a été lancée par Al-Qaïda, qui s'en revendique, et puis c'est simplement à cela qu'il faut faire face. Toutefois, Bernard Thomas, peut-être qu'en plus, je pense que cette thèse de la conspiration, elle est très vivace à la fois en Europe, mais elle est aussi très vivace dans le monde musulman et dans le monde arabe, parce qu'elle sert beaucoup les régimes arabes qui veulent occulter